Monsieur Macron, il veut jouer au moderne, mais il nous ramène 50 ans en arrière dans le modèle d'éducation routière. C'est l'auto-école à papa qui a fini par nous faire 16 000 morts en 1972. C'est pour ça que les choses ont été prises à bras-le-corps, qu'on a réglementé notre profession. Et voilà ce qu'on veut garder, un cadre réglementaire, gage de qualité de formation. Une auto-école, il y a 70% de charges déjà. Alors, baisser le permis, on y est tous pour. Mais alors, à ce moment-là, que M. Macron nous trouve les solutions, par exemple, au lieu d'augmenter une TVA, qu'il l'enlève, par exemple, que tout l'argent que l'on prélève avec les radars, eh bien, qu'il donne cet argent-là et faire un permis à zéro. Voilà, des solutions, il y en a.